Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler de la marque Trifo. Trifo, c'est une marque qui développe et qui crée des aspirateurs robots très simplifiés avec des choses très intéressantes à l'intérieur de ce package. Retour à la station de charge. En charge. Commence à nettoyer. En pause. Une fois que tout a été mis en place, vous allez pouvoir transformer votre aspirateur en une caméra de surveillance d'intérieur. Et ça, je trouve ça ultra génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sélectionnez. La surveillance vidéo est activée. La surveillance vidéo est désactivée. La surveillance vidéo est activée. Je voulais donc vous présenter le Trifo Oli, un aspirateur robot équipé d'une caméra, équipé d'un capteur LiDAR. Alors, ce capteur LiDAR qui équipe cet aspirateur robot va numériser, tenez-vous bien, votre maison en 3D. Si vous êtes un habitué de la chaîne, je vous avais déjà présenté différents aspirateurs robots avec cette technologie. Elle était sur le dessus de l'aspirateur. Cette fois-ci, ce capteur est intégré sur l'avant de l'aspirateur robot. Le Trifo Oli, prévu si vous avez des animaux, des chats, des chiens, le Trifo est vraiment prévu pour ce genre de travail. Ramasser les poils d'animaux, ça lui fait pas peur. Le Trifo Oli va vous permettre de nettoyer la maison et gagner un maximum de temps. Compatible iOS et compatible Android, vous n'aurez qu'à télécharger l'application Trifo sur le Play Store ou sur l'App Store. Vous créez votre compte avec une adresse mail et un mot de passe et vous appairez votre aspirateur, puisque oui, cet aspirateur se connectera bien en Wi-Fi. On fait le premier déballage et on regarde ensemble qu'est-ce que cet aspirateur, le Trifo Oli, peut vous apporter au quotidien. Allez, on passe tout de suite au déballage et vous allez voir que cet aspirateur robot a une particularité très spéciale. C'est parti. Alors sur le dessus, on va comme d'habitude retrouver les petites notices. On arrive ensuite sur notre Trifo Oli et vous allez voir, il est super design. Alors cet aspirateur a un effet un peu cuivré sur le dessus. Il a donc le contour qui est complètement noir, mais le dessus est vraiment ultra design. Regardez cet effet cuivré, c'est vraiment très réussi. On retrouvera sur le dessus un bouton de marche arrêt et un bouton home pour refaire revenir notre aspirateur à sa base. Et surtout, pensez bien à enlever tous les petits scotch par-ci par-là et les protections qui le protègent. Alors, le capot du dessus se lève à partir de l'avant du... Voilà. Et là-dessous, vous allez retrouver différents éléments, dont la petite caissette de récupération de poussière. On va tomber sur la station de recharge. Alors, c'est une station de recharge laquée, noire, super design. Et sur le dessus, on voit donc marquer la marque Trifo. Et elle est vraiment très jolie, très design. Et juste dessous, il y aura une petite trappe à enlever. Et là, c'est là où on va pouvoir connecter notre station de recharge. Donc tout simplement, on mettra le câble de rechargement sous cette station. On va tout simplement ensuite retrouver notre connectique qui est de couleur blanche, un peu curieux par rapport à l'ensemble de l'aspirateur. Voilà, donc tout simplement, vous allez connecter sous la station de recharge et ensuite vous refermez le petit clapet et c'est parti. La caissette de récupération de poussière fait donc 600 ml, donc il y a de quoi récupérer de la poussière. Simple à enlever et très facile à remettre sans aucun problème. On retrouvera aussi un filtre anti-acarien. Juste à côté de cette caissette, vous aurez donc un bouton reset si vous avez besoin de resetter l'appareil. À l'avant, on va retrouver donc un bouclier protégé d'un caoutchouc pour éviter que le Trifo cogne sur les meubles. Et c'est ici que ça devient intéressant puisque on voit sur le devant qu'il est équipé d'une caméra avec un capteur LiDAR 3D, ce qui lui permettra de numériser votre maison en 3D et n'importe quel objet qui se présentera devant lui. Là, c'est une technologie très avancée. Vous avez un appareil qui en plus fera office de caméra de surveillance. Ça, c'est vraiment énorme.
Alors, la petite chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il est équipé d'une seule petite balayette sur l'avant pour rapatrier les poussières au centre. Pour avoir testé plusieurs aspirateurs robots, je préfère largement les aspirateurs qui ont deux balayettes à droite comme à gauche. Bien entendu, dessous, nous allons retrouver des capteurs anti-chute pour éviter que l'aspirateur fasse des chutes dans l'escalier. Alors, côté débattement des roues, on va pouvoir monter des seuils de porte ou descendre des seuils de porte jusqu'à 2 cm sans aucun souci. Alors, juste dessous, on pourra enlever la grille de protection du rouleau pour aller ensuite nettoyer le rouleau au niveau de l'aspiration. Et d'ailleurs, ce rouleau est très bien foutu puisqu'il y a des petits poils et des petites lamelles en caoutchouc qui vont permettre de rapatrier et d'aspirer un maximum de poussière au centre de l'aspirateur et de venir en fait accrocher les poussières. Et comme tout aspirateur qui se respecte, on aura à l'avant une roue qui tournera à 360 degrés pour une meilleure navigation de notre aspirateur. Voilà donc pour l'intégralité du package. On va maintenant passer au premier allumage, au premier démarrage. Vraiment, vous allez voir que cet aspirateur a des petites fonctions super intéressantes. Un démarrage en musique plutôt sympathique. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cet aspirateur robot est compatible iOS et Android et compatible Alexa et Google Assistant. Vous téléchargez l'application et ensuite vous n'avez plus qu'à paramétrer l'aspirateur avec votre iPhone. Vous appuyez sur le bouton Home quelques secondes et vous mettez votre aspirateur en mode appairage. Écoutez ce qui se passe et ça clignote. Une fois que l'aspirateur robot est mis en mode appairage, vous ouvrez l'application Trifo Home et là vous allez pouvoir ajouter grâce au petit plus au centre de votre écran un aspirateur. C'est parti. Alors attention, l'application est pas super top, il faudra activer la reconnaissance d'écran avec VoiceOver pour pouvoir donc appairer correctement votre aspirateur robot. Bien sûr, l'aspirateur est reconnu comme le Oli, vous le choisissez et on continue pour l'appairage sur le Wi-Fi. Une fois arrivé sur la deuxième page, on vous demandera d'entrer votre code Wi-Fi pour qu'il puisse s'appairer à votre réseau Wi-Fi. Une fois que vous avez entré votre code Wi-Fi, vous faites suivant et là on va vous proposer un code QR que l'aspirateur va devoir visualiser grâce à sa caméra en façade. L'application donc continue à évoluer et vous propose d'afficher un code QR sur l'écran de votre iPhone. Maintenant, il suffira de proposer ce code QR à votre aspirateur, donc devant la caméra de votre aspirateur, et celui-ci va le scanner. Let's connect me to your home Wi-Fi. Please follow the instructions on the app and use my camera to scan the QR code. I've scanned the QR code. Connecting now. Alors attention, pas de panique, il speak English mais il va parler French sans problème. Vous allez voir, c'est même très surprenant, l'accent, la synthèse vocale est vraiment hallucinante. Voilà donc, il est enfin sur le réseau, on va pouvoir l'utiliser par le vocal et on va pouvoir l'utiliser directement à partir de notre smartphone. I'm connected to your Wi-Fi network. Alors attention, avec le VoiceOver, il faudra donc activer la reconnaissance d'écran car l'application n'est pas super accessible juste avec le VoiceOver. On va pouvoir donc lancer l'application et la mettre en français ainsi que l'aspirateur. Vous allez voir, l'aspirateur a un text-to-speech en français plutôt surprenant. Et maintenant, on va pouvoir le lancer, on va pouvoir vérifier s'il est capable de nettoyer notre maison convenablement. C'est parti. Commence à nettoyer. Retour à la station de charge. En charge. Commence à nettoyer. En pause. Bien entendu, je vous mettrai donc tous les liens en description car vous pouvez trouver cet aspirateur robot pour un peu moins de 300 euros avec toutes ses fonctionnalités. C'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, pour continuer à m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. La surveillance vidéo est active. Alors, c'est un aspirateur assez puissant, 3000 pascals
et il possède une batterie de 5200 mAh, ce qui va lui donner à peu près 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures d'autonomie dans la journée. Alors comme vous pouvez voir actuellement, il fait donc un travail magnifique devant les obstacles. Là, il est en train d'analyser une pantoufle, il va la contourner. C'est vraiment très surprenant, il fait un super beau travail et vous pouvez écouter à partir de cette vidéo, il est vraiment super silencieux. Les tapis, bien entendu, ne lui feront pas peur. Il est donc un aspirateur compatible aussi bien pour les soldures que pour les tapis et c'est un aspirateur prévu pour les poils d'animaux. Donc vous allez voir le résultat à la fin de la vidéo, c'est vraiment assez surprenant. Regardez ici comme le Freepo à contourner la pantoufle, c'est vraiment ultra génial. Il fait un travail franchement magnifique. Pour moins de 300 €, vous avez un aspirateur très performant avec pas mal d'options qu'on retrouve sur des aspirateurs à plus de 800 €. Je vous ai laissé quelques instants pour profiter en fait du bruit que fait le Trifo et vous avez pu vous apercevoir, il est assez silencieux dans son travail. C'est déjà un très bon point. On a donc un aspirateur connecté, compatible iOS Android, compatible Alexa et en plus on a un appareil qui est compatible avec les poils d'animaux pour moins de 300 €. On a quand même un petit aspirateur robot gérable à la voix. Franchement, dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres robots de ce genre, ça m'intéresse vraiment. Alors, l'application iOS est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez le panneau de contrôle de l'aspirateur en bas de votre iPhone, idem pour votre smartphone sous Android, et vous allez pouvoir gérer votre aspirateur, avoir une vue de la cartographie. Alors, ce qui va être génial, c'est de pouvoir en fait lancer la vidéo à distance et lancer votre aspirateur à distance. Où que vous soyez, vous allez avoir une visualisation de là où se trouve votre aspirateur. Ça, c'est super génial. Ça vous permettra de voir si votre aspirateur travaille dans de bonnes conditions. S'il n'est pas coincé dans un endroit, ça, c'est vraiment cool. Vous le surveillez en temps réel à partir de votre smartphone. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ce qui veut dire que vous pouvez même, lorsqu'il est sous des canapés, lorsqu'il est sous des meubles, voir l'état justement des dégâts au niveau des poussières, au niveau des petites miettes, au niveau des poils de chat ou de chien qui se trouvent en fait sous vos meubles. Regardez ici, tout se passe sur le téléphone, l'aspirateur évolue dans la maison et on a une vue directe lorsque l'aspirateur se dirige dans notre maison. Ça, c'est super cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et chez Trifo, ils ont pensé à tout. Ils l'ont même équipé d'un text-to-speech, donc d'une voix haute qualité. Franchement, je trouve ça génial d'avoir pensé à équiper leur aspirateur d'une synthèse vocale. On verra en temps réel donc la cartographie de la maison s'effectuer. Ça, c'est plutôt cool aussi, puisqu'on pourra le détecter sur la carte où il se trouve. Mais pas que, puisque une petite surprise vous attend dans la suite de la vidéo. Étant donné son épaisseur de 8 cm, il se faufilera sous vos canapés, sous vos meubles, sans aucun problème. Et ici, regardez, donc face à un jouet du chien, il le contourne, il le cherche, il analyse et il évite. Ça, c'est plutôt cool, non? Alors, tout en bas de l'iPhone, les boutons seront accessibles avec VoiceOver lorsque vous aurez activé la reconnaissance d'écran. 16,8 degrés, zone d'aspiration. Veuillez utiliser le mode de contrôle manuel pour me déplacer ou m'assigner des tâches. Vous avez quitté le mode de contrôle manuel. En haut à droite, vous avez un petit plus et c'est là donc que vous allez avoir la possibilité d'aller modifier la langue de la synthèse vocale. Là où vous allez pouvoir rechercher votre aspirateur, c'est vraiment génial. Écoutez le son qu'il fait lorsqu'on part à sa recherche. Voilà donc le petit bruit sympathique quand vous allez rechercher votre robot dans votre maison. Vous allez entendre la petite sonnette. C'est plutôt sympa, non? Flèche vers la droite. Historique d'aspiration. Flèche vers la droite. Planning d'aspiration. Flèche vers la droite. Reprendre le nettoyage. Bouton. Mode ne pas déranger. DND. Flèche vers la droite. Paramètres voix. Flèche vers la droite. Bouton. Mode ne pas déranger. Paramètres voix. Flèche vers la droite.
Voilà donc pas mal de petits réglages à mettre en place, justement par rapport à la voie, planning de nettoyage. On pourra même vérifier les avertissements qu'on a eus lorsque on était absent et que l'aspirateur surveillait notre maison. Vraiment, un aspirateur, je vous dis, très complet pour moins de 300 €, ça peut être un cadeau de Noël à imaginer. Un panneau de contrôle très complet et on pourra vraiment avoir une action sur chaque bouton avec le voice-over ou le talkback. En pause. Veuillez me remettre par terre. Repositionnement de mon emplacement. J'ai détecté un nouvel environnement et je vais commencer un nouveau cycle de nettoyage. Voilà ce qui va se passer lorsque vous allez déplacer l'aspirateur, lorsque vous allez le porter et le mettre dans un autre endroit. Il va donc recartographier. La société donc Trifo, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran de l'iPhone, a construit, a mis en place différents aspirateurs robots. Je vous mets donc les liens dans la description. Alors regardez maintenant ici comment ça se passe au niveau de la caissette de récupération, c'est assez impressionnant. On charge. Allez donc ça se passe sous le capot, on va récupérer la caissette de 600 ml de poussière. Est-ce qu'elle est remplie? Alors je peux vous dire les amis qu'il a fait un boulot extraordinaire. Regardez à partir de la bouche, il est complètement rempli, la caissette est complètement remplie, c'est assez surprenant. On a donc un petit bouton à appuyer sur le dessus de la caissette et là elle va s'ouvrir. Regardez, c'est vraiment surprenant, le tas de poils, le tas de saleté de pleine main, j'en ai là, c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Voilà, donc on secoue et c'est fini. Voilà pour la présentation du Trifo Oli, vraiment un aspirateur que je trouve génial de par son accessibilité via la synthèse vocale. On l'entend parfaitement bien, elle est très audible, elle est très puissante. L'aspirateur en général est très accessible par ses boutons et par l'application. Vraiment, je trouve ça ultra génial. Allez, je compte sur vous pour un petit j'aime pour encourager mon travail. C'est vraiment très important pour moi les amis et pour encourager la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous ferai d'autres vidéos, bien sûr, sur d'autres produits connectés. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous.